Bonjour. Voilà, c'est ça, faut dire bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est l'émission. C'est l'émission. Voilà, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas. Fallait pas. Donc, bonsoir, c'était l'instant caméra. Voilà, je pense qu'on peut enlever, hein, c'est le mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, j'avais pu voir mes lunettes. C'est les lunettes de Roy. Un perso que j'essaye d'utiliser parce que le villageois, c'est dur, hein. C'est dur le villageois. Cet homme de la nuit. Oui, mais tiens, il y a des moyens. Monsieur un stream préparé, les gars, vous savez pas, vous. Plus on paie pas. En fait, c'est surtout qu'il était préparé de la foi. Où j'avais fait le stream là sur la démo avec Chocobo Tigre et Samy du Versus Dojo qui n'est pas là aujourd'hui, chose assez rare hein, pour être signalé. Il n'y a pas Samy. On l'a perdu. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le villageois, c'est mon main hein, comme annoncé. Bon, c'est chaud hein. Franchement, il Je dirais, mais bon, il y a des trucs à faire, mais c'est dur, hein. Le fait qu'il aille pas de vrai smash, c'est relou. En fait, c'est facile. Il a un bon zoning. Et après, pour monter les pourcentages, ça va. Mais pour éjecter les mecs, c'est une galère pas possible. Mais bon, il y a des petits espoirs comme le saut smash bas. Même s'il est random, vu que c'est des histoires de radis. Alors, je sais pas, là, je peux pas vous montrer. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure en filmant comment ça, la DS à l'ancienne. Alors, j'ai choisi des matchs au pif, des tournois. Donc, je pense qu'on va en parler. Voilà. Donc, sur un tournoi Jap, il me semble. Japonisant, hein. Alors, je sais pas si on entend ou pas le truc. Ah ouais, Po Ninja. Un Po Ninja sur le 103 SP, c'est la classe, hein, tout le monde le sait. Ça fait le taf, ça fait du bruit. Oui, tu peux voir les frames. Donc voilà, j'aime bien Ness aussi. Ness, il est en short. Voilà, c'est, je pense, le perso peut-être que je mainerai plus tard. Mais c'est pareil, pour revenir, c'est une galère. Par contre, il est, je trouve, assez god tier. Hein. Il peut tuer avec les chocs, il a des bons smash. Voilà, mais c'est ça, quand t'es par terre là comme ça, là t'es déjà mort. Voilà, on peut pas revenir avec le gars. C'est ça que je dis. C'est ça qui est relou. En fait, c'est le god tier du jeu si tu tombes pas. Je remets en arrière. Dès que tu tombes, c'est fini. C'est fini. Regarde, hop, voilà, là il est tombé. Voilà. L'autre il vient, il va le tabasser, c'est fini. Sinon, dans ses coups de base, tout ce qu'il a, c'est craqué. Voilà, la course A, ça fait des hits, ça peut éjecter. Là, la chope, ça peut éjecter. Il a le coup de batte qui est craqué. Il a sa boule qui fait chier aussi, là. Et ouais, son smash saut arrière, là, il est craqué. La chope combo, avec tu peux mettre ça deux fois. Là, le avant coup, là. Mais, en fait, il a plein de trucs bien, mais il a ce truc-là de pas revenir. Ça casse les bonbons quand même. Hein. Oh, il s'est auto-éjecté lui-même. Alors, check, c'est censé être craqué aussi. Elle aurait d'ailleurs, soi-disant, le chain grab. Ouf, il a essayé de minder là, dommage. Waouh, comment il a fait instant saut. Le coup là, ça c'est fort. Hein. Je sais pas comment on fait pour sauter en instant tourner. Ça, je sais pas. Ah oui, et s'il y a des spécialistes, mais bon, je crois pas que c'est possible, mais quand on roule, de choisir de quel côté on se tourne à la fin de la roulade. Je sais pas si c'est possible, ça m'aiderait beaucoup, moi. Si à la fin de la roulade, je pouvais choisir quel côté je suis tourné. Parce que je sais pas si on peut. Alors, s'il y a des spécialistes de Smash sur le comment ça, sur le chat. Voilà, et il s'est fait laver. Ness, c'est pas. Alors que Sheik Mohamed s'est craqué. Top tier. Sheik s'est complètement pété, bah oui, je sais.
Non, ce Camille Evans, ça existe pas vraiment. Ah, d'accord, ok, Miles. D'accord, très bien. J'attends que ce soit toi qui donne les conseils à... Bah, moi, je peux donner les conseils, hein. Un perso pour commencer qui est bien, livré clé en main, pour moi, c'est Samus sans armure, hein. Franchement, le perso, il est livré clé en main. Tu fais tir, course, chop. Et après la chop pose, tu fais le haut kick, là, le truc qui tape. Et tu recommences, et voilà, et t'es invincible. Tout simplement. Samus sans armure, elle est vraiment nos prises de tête. Hein. Après, elle revient bien avec son Demon Flip, là. Il y a Pete, j'aime bien les Pete aussi, mais j'ai l'impression ils font pas mal beaucoup. Les Pete. Pete qui est en short, hein, faut le savoir, Pete et Dark Pete. Alors, je n'ai pas trop capté la différence entre les Pete et les Dark Pete, si ce n'est les flèches, qui sont moins orientables, on va dire, pour Dark Pete. Mais je vois pas trop la diff. Voilà, excellent combo là du NES. Hein. On peut voir que, franchement, regardez, il a tout le perso. Hein. Il se balade limite presque contre Sheik, hein, qui est quand même le top tier, l'un des top tiers du jeu. D'ailleurs, on va parler tier list aussi. Hein. Mais dès qu'il tombe, bah voilà, c'est la merde. Oh, il a réussi à revenir, mais là, il se fait complètement empêcher de tourner en rond. Oh oui, bien joué ça. Il s'est mis l'étincelle dans le boule. Et après, par contre, ça fait bobo. Hein. Je crois que ça fait 37% ou un truc comme ça, l'éjection. Ah, je remets en arrière. Ça, c'était beau. Il met la flèche dans le boule, là. L'étincelle dans le boule. Là, c'est pas une flèche, c'est une étincelle. Hop, il se la met dans le boule et si t'es devant, bim. Ça aussi, c'est pas mal. Hein. Là, il a joué l'utile à l'agréable. Hein. Il est revenu et il a défoncé l'autre. Ah là là, j'avoue, il se fait bien empêcher de revenir. Hein. Ah là là, il a réussi. Oh l'autre, je sais pas, il a voulu le chercher, je sais pas ce qu'il a fait. Oh l'autre, il s'est suicidé, bon, très bien. C'est un peu relou dans Smash, comme le disait Oro, c'est que dans les jeux de baston normal, enfin les jeux de baston normaux, on va dire, les jeux de baston classiques, c'est à gérer ta barre de vie. Et si tu fais une mauvaise manip, un pif, un truc, tu vas prendre un combo, mais pas forcément à 100%. Bon, bien sûr, ça dépend quel jeu tu joues. Mais tu vas prendre une punition, mais t'es peut-être pas mort. Le mec peut rater, le mec peut machin. Mais là, tu fais avant B, enfin avant coup spéciaux ou au lieu de O coup spéciaux, bah tu reviens pas, tu meurs tout seul. Ça c'est assez frustrant à gérer. Voilà, là il tue Rondoudou parce que Rondoudou c'est la console du caster. Ça c'est pas mal comme Temi qui fait ça et comme ça quand Rondoudou il est mort, hop c'est parti, ça donne le top départ. Technique japonaise, hein, il trouve des petites astuces comme ça. Hein. Alors là c'est recheck. Bon NES là la partie d'avant. Hein. Il a eu un peu de chance, hein, le mec, l'échec qui s'est suicidé, et le fait aussi que l'autre, il se prenne l'étincelle, là. Enfin, l'étincelle boostée, on va dire. Ah. Ah oui, la chope et le combo, ah, il ratait. Voilà, c'est dommage, NES. Franchement, NES, il reviendrait comme le villageois, ce serait mon main de la vie, hein. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Je jouerai à rien d'autre. Oh, bien joué ça. Oh là 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 là. Chop. Ouais, il y a aussi un truc que j'ai pas compris. Miles, peut-être toi tu connais. Quand on garde un coup, derrière il y a chop garanti, tout le temps. C'est comme ça. Par exemple, moi je fais saut avec un coup. Le mec est en garde, j'atterris, il me chop. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Je sais pas comment carotte ça en fait. On peut pas ressauter parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a un temps mort quand tu atterris. Et je sais pas comment carotte ça, en fait. Quand tu fais saut un coup dans la tête du mec et que lui, il est resté en garde, t'atterris, chop, tout le temps. Il y a... Je sais pas comment carotte ça et ça me vénère. Si quelqu'un a des astuces... Oui. En fait, c'est égalité, hein.
C'est égalité. Oh, il l'a eu. Ah, oh là là, dommage. Oh oui, bien joué. C'est une étincelle là pour le poursuivre. Oh, il s'est trompé, il a raté. Aïe, 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 aïe. Oh, il va jamais revenir, il va jamais revenir. Oh, il est sympa, l'autre l'a laissé revenir. Ah, tout à l'heure, il a pris le truc dans la tête, ça l'a un peu médicamenté. Il ose plus trop maintenant. Ouais. Oh là là, il lui a mis le truc nucléaire là, ça fait trop mal. Attends, je vais voir quel setup il a fait, s'il a un setup. Ouais, il dégage le mec et juste là, d'accord, il l'a fait. Oh là là, ça fait super mal. Je pense que le coup il fait le plus mal du jeu là, le stand B là. Le NES. Ouais. Oh là, s'il est bien NES quand même. Chop. Voilà, là encore, il a gardé un coup sauté, il a chopé. J'ai jamais vu autre chose se passer en fait. Hop, garde, chop, voilà, comme d'hab. C'est ça le jeu, alors faut pas attaquer en fait. Faut pas mettre de coups dans la garde du mec, c'est chop garanti. Ça veut rien dire, hein. Moi je. J'ai envie de dire non. Ah, bien joué la chope avant que l'étincelle arrive. Petit combo. Hop, patate. Alors, ben le truc, ce serait de pas attaquer. Tu fais un fast fold un peu avant d'atterrir. Tu maintiens bas en l'air. Ouais, ça je vois, c'est quoi. Ensuite, tu fais une esquive pour carotter la chope. Puis tu punis. D'accord. Donc en gros, faut faire saut vide esquive. Ouais, mais tu peux pas taper et après faire esquive pour esquiver la chope. Je sais pas, moi j'ai déjà fait saut vide et le mec m'a chopé direct. Hein. Je sais pas si l'esquive elle sort en 0 frame. En fait, c'est ça aussi, dans le jeu, le training mode est un peu mal fait. On peut pas mettre l'adversaire en garde et... Oh bah il a gagné le NES, génial. Alors les matchs sont pas du tout dans l'ordre, hein. C'est complètement au pif, je sais même pas qui est quoi fait qui. C'est des matchs de Jap, les trucs récents, les trucs moins récents, c'est pris au pif total. Et c'est ça qu'on aime. C'est quoi là? Ah ouais, c'est Sheik contre Yoshi. Beaucoup de chèques, hein, les chèques scolaires. Hein. Hop, alors Yoshi qui est soi-disant top tiers, d'après la tier list Jap de Even Hubs là qu'ils avaient mis, mais. Je sais pas, il a l'air fort, hein, il a l'air très très fort, mais je sais pas. C'est vraiment top top. Mais il a l'air assez fort. Oh, le mec il est en mode shoot them up. Shoot them up même. Ouf. C'est ses coups de base, ils ont l'air assez forts. En Taijutsu, il a l'air là, Yoshi. Hein. C'est cool, le coup multi hit aussi, c'est la vie. Hein, le coup où il saute, là, il met un multi hit. Je sais pas si il va le faire. Aussi, c'est la vie. Mais moi, dès que je le prends, je fais avant B et je me mets en œuf, je roule et je me suicide. Alors. C'est ça, sinon en théorie je pourrais avoir un Yoshi, hein, il est en vert. Évidemment, on aurait tout. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Je vois, il a l'air là, ce Yoshi quand même. Oh, course normale. Ça passe. L'œuf. Oh là là là, les chops. Oh oui, bien joué. Ah ouais, il a l'air craqué aussi son attaque rodéo. Ça aussi, c'est bien dans ce jeu-là, ouais, quand t'as un coup et tu descends en tapant. Parce que à chaque fois que t'es en l'air et que le mec il t'attend en bas, il te met un smash haut et il te déraille. Il faut que tu times l'esquive en l'air à la frame. Alors que si t'as un truc genre un dive, bah toi tu peux lui mettre dans la bouche et s'il a mal timé son smash, bah tu le baises. Ça c'est bien d'avoir ça. Ou au moins d'avoir un contre aussi. Tous ceux qui ont un contre aussi, c'est bien. Ils sont en l'air, ils font le contre, ça leur fait un petit mind à la redescente quoi. T'es pas gratuit. Pff, oh là là. Ce Yoshi qui est en train de dérailler la chaîne.
Donc, pour l'instant, il est top tier, hein, comme ils avaient dit. Hein. Oh, l'attaque rodéo. Yup, il pleut des œufs. Ah, oh, ça vous tapez. Oh là là, il l'a dégagé. God Tielu. Normalement, la chope a pas la prio sur le coup, sauf en sortie de bouclier. Je suppose, j'avoue, il faudrait tester. Je sais pas s'il y a beaucoup de frames entre la sortie du shield grab. Bah ouais, je sais pas. Bah si vous voulez, tout à l'heure on peut tester. Hein. Si un mec a un CDS, on peut faire des petits tests techniques, hein, histoire de voir. Je vous filerai mon code ennemi. Ouais, c'est toujours bien d'avoir un compte. Mais je crois que c'est pour ça aussi Palutena, il l'avait mis forte, c'est parce qu'elle a compte de boule, compte de coup. C'est le contre. C'est la meilleure contreuse. Je sais pas, faut dire le jeu il est assez récent. Les tier list, c'est parti un peu dans tous les sens, mais. Il y a quelques persos qui reviennent, quoi, mais. Après, Little Mac, il a l'air fort aussi, mais. Je pense que c'est plus un perso Day One, après, faut voir. Je sais pas s'il a de l'avenir une fois que. On a compris comment garder et comment. Et comment punir ses trucs. Après, c'est sûr, le mec, tu fais une erreur, lui, il fait mal. Hein. Ouais. Ah, il y a un perso que j'aime beaucoup, c'est Roy, hein, comme j'avais dit. Hein. Le. Enfin, Bowser, mini Bowser Junior, là, mais. Avec Roy, j'ai le droit de le prendre, hein, j'ai les lunettes roses. Lui, il est bon, hein, franchement, et il a tout. Hein. Ça me plaît bien. Je vais me concentrer sur lui et le villageois. Le villageois, je ne vais pas le renier encore, mais. Ça va pas tarder à mon avis, hein, parce que c'est dur. Mais je vais quand même tuer Valentin Lormo avec, hein, je tiens à le préciser. Valentin Lormo, si tu m'écoutes, t'es un homme mort, voilà. T'es un homme mort, rendez-vous demain, 14h République, et on va se régler en bonhomme. Oui. Parce que ça fait le mec quand, avant que le jeu sorte, j'aurai un Megaman. D'ailleurs, ouais, Megaman, il est mis au tiers dans pas mal de trucs, mais franchement, il est archi casse-couille. Hein. Il est archi relou, Megaman. Hein. Je pense pas qu'il soit si au tiers qu'on veut bien le dire. Apparemment, en plus, c'est un des persos qui s'en sort aussi bien contre Samus sans armure. Ça, c'est Nono qui dit ça. Non, c'est Samus sans armure. Oh là là. Avec le volant, la mort au tournant. Megaman et Lothiers, soi-disant. Bah oui, mais. C'est un perso du poke. Ouais, mais je sais pas. Moi, je suis tombé sur des Megaman bien relous. Hein. Et les mecs, ils se tapaient lourd. Hein. Je pense pas qu'il faille le jeter comme ça aussi. Hein. Il y a des tournois où il est arrivé loin, je crois. Il y a un tournoi Jap où il va en demi, le Megaman. Il était là. Hein. Tu peux tuer qu'avec sa boule chargée. C'est faux, c'est très faux. Et le Smash Ball, là, les deux trucs, là, c'est bien ça. Ouais. Oh là là, mais ce Yoshi. Oh, il a pas perdu une vie, le Yoshi. Hein. Ton petit élu. Ton petit élu, on te dit. Ouais, c'est vrai. Alors, je sais même pas qui c'est qui va jouer là. Voilà, c'est match au pistolet. Ah, bah voilà un Megaman justement. Ah, ouais, Lucario aussi m'intéresse, il est en short. Lui, par contre, ils le mettent fort, mais. Je trouve pas ouf, moi. J'ai l'impression que c'est un comment ça s'appelle, un Greninja en moins bon. Il a l'air pareil que Greninja, à peu près les mêmes phases, mais moins bon. Alors je vois pas l'intérêt aussi de machin là, de
de Lucarier en fait. J'ai pas, après, je sais pas, peut-être des trucs qui m'échappent. Hein. Je prétends pas être l'Okage du jeu. Mais franchement, Lucario, je trouve pas ouf. Pas ouf, pas dingue. En Taijutsu, il a l'air d'être là, mais. Je sais pas, c'est pas. Je sais pas, il me semble que Greninja, il joue à peu près sur les mêmes trucs et il est beaucoup plus fort. Ah, quand il a beaucoup de dégâts, il fait plus mal. D'accord, très bien. Ce serait ça le goût alors. Moi je sais pas ce qu'ils font. Pourquoi ils commencent pas? Ah, faut qu'ils perdent une vie, d'accord. Moi je pense que là ça va se taper. Ah ouais, Green Ninja échec, c'est des ninjas, hein, de toute façon, c'est la race des ninjas. Mais je sais pas, pour moi si, Green Ninja il a une boule qui charge comme Lucario, il a un téléport, après il se tape au corps à corps, je sais pas. Après ouais, Green Ninja il a le téléport qui tape là, ça c'est la violence. Mais même, je sais pas, Lucario, ses coups de base, j'ai trouvé un peu. Je sais pas, un peu sécos. En l'air, il a pas des coups incroyables aussi. Je sais pas, moi, ce. Ce Megaman Lotière a l'air de s'en sortir, hein, bizarrement. Contre soi-disant un des bons aussi. Hop. Il le joue en 6 sauteuses, lui. D'accord, pourquoi pas, il est tout en 6 sauteuses. Ah ouais, il peut tuer aussi avec son dragon Megaman, tiens. The King, là. Il a un dragon, avec le dragon, il peut tuer. Hein. Hop là. Ah ouais, putain, il est tout en chop, le gars. Ah là, le comment ça, il a fait les feuilles, là, je sais pas quoi ça sert. Pff, le mec, il est tout en chop, le meilleur chopper de l'histoire. Yeah, téléporte, voilà. Ah, ça met un coup aussi, ça téléporte. Pour l'instant, Lucario, je sais pas, après c'est peut-être le mec qui est pas ouf, mais bon. Je sais pas. Hey, Lucas. Parlons du prénom Lucas d'ailleurs. Lucas. Ah, le mec qui regarde Maximilien aussi, c'est un lotier. Oh là là, il a tué avec la boule chargée, comme nous avait dit Zaking. T'as qu'est-ce qu'il est relou, Megaman. Franchement, moi je pense qu'il est pas acheté. Oh là là, il a touché en hit, il a pu choper direct. Hein. Oh, esquive. Est-ce qu'il revient bien alors, Meganam? Oh, il l'a pas laissé revenir là. Ouais, ça va, il revient. Pff, il a envie, le gars, il lâche pas le steak. Ah ouais, c'est vrai, il a le saut, là, machin. Bon, ouais, il revient bien. Tout en 6 sauteuses. Putain, il le joue un peu à la robe. Robe aussi, il est un peu... avec son disque, là, tout le temps, à saouler. Et en robe, j'ai essayé, hein, mais moi, j'y arrive pas non plus, c'est pareil. Alors que j'aime bien les persos qui volent, moi, comme je suis un as pour revenir, mais... Non, je sais pas. Oh, la 6 sauteuse. Oh là là, voilà, elle a essayé, c'est ça, le smash bas, là. Il a essayé... Oh, il va pas revenir, là, quand même. Si, il revient. Oh là là, c'est beau. 162%, le gars, il revient. Oh, il lui a mis... il a mis la bombe à Latina. Ah, je mets la garde, cette... Hop, le meilleur chopper. Tu mets la garde, ça t'explose pas dessus. Et le dragon! Le dragon qui tue! Ouais, on peut tuer Megaman avec son truc. Alors en fait, Megaman et Lotière,
vraiment, mais il est plutôt bon contre les top tiers qui ont du mal contre les persos zoning. Voilà, ça sent la théorisation. Voilà, cette théorisation qui va sortir. Sauf Zero Suite Samus où il se fait éclater. Bah apparemment non, justement, il y a un mec qui disait que contre Samus, Zero Suite Samus, il est bien Megaman. Alors, moi je pense que c'est théorisation sur théorisation. Hein. Moi je pense que Megaman, franchement, il a les armes hein, pour se taper. Hein. Mais la plupart des mid-tiers, il se fait un peu des et ça sent tellement la théorisation ce que tu racontes, Miles. Une théorisation digne de. De comment ça de, digne de Bilal. Hein. Ou de Camo. Les deux grands théorisateurs. Hein. Hop là, il se suicide entre amis. Hey. C'est ça. Bon, ça va se taper là. Avec le Megaman couleur chocolat caramel. Le Verters original. Mais après, on va faire des matchs. Hein. Préparez vos DS, vos Kodami. Ça va faire des matchs sales à. Ah ben d'ailleurs je vais vous montrer des petits matchs que j'ai fait vu qu'on peut enregistrer des vidéos des petits matchs du Guac. Ah il a le tacle aussi. Ah ouais il a le tourbillon aussi Megaman. Oh le tourbillon c'est ultra relou ça quand t'es au-dessus. Quand t'es en l'air là. Eh hey, mais ça c'est abusé, si chop c'est un combo quoi. Ah oh, il a jeté un truc vers le bas, je sais pas ce qu'il a jeté. Oh là là avec le smash haut. Le Genki-Dama qui tue pas. C'est pareil, Bowser qui était censé être craqué, soi-disant, là. Franchement, j'avais pas vu des masques casser des bouches. Hein. Alors certes, son dropkick, il est craqué, mais... après, ça reste Bowser, il est lourd, il a pas 20 000 phases non plus. Oui. Bowser aussi, soi-disant, perso ultra craqué du Day One, mais... perso, j'en ai pas vu. J'avais pas vu casser des bouches. Hein. Enfin, dans les tournois que j'ai regardé, en tout cas. Après, je sais pas. Salam. Encore plus qu'on va aborder. Je pense pas qu'on puisse déjà parler de ça. À part un nouveau style de jeu. Ouais. Ah, c'est pour ça que moi aussi, je lâche pas encore le villageois. Je pense qu'il y a des trucs à faire, mais. C'est dur, hein, c'est dur. Il faut trouver le goût. Mais j'ai quelques lignes directrices à creuser. Genre le smash bas, enfin le bas smash en l'air là. Ou son smash bas tout court là, la pelletée là. Je viens de comprendre comment ça marche, mais j'ai pas encore mis ça dans mon jeu. Genre le truc où il te... Oh, ce combo qu'il a fait avec la... Le truc en feu et le tacle. Mais je disais, ouais, le smash bas du villageois, il t'enterre les pieds. Et en fait, je sais plus, je crois c'est Gon qui m'a dit quand plus t'es... Plus les pourcentages de l'adversaire, ils sont hauts, plus il reste enfoncé dans la terre. Donc à ce moment-là, quand il est proche de la mort... Enfin, quand il est genre haut dans les pourcentages, genre 100 et quelques, et ben le mettre les pieds dans le sol, là, ça pourrait l'enterrer les pattes, ça pourrait garantir une boule de bowling. Et la boule de bowling, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal, la boule de bowling, c'est là. Hein. T'as le mec contre soi-disant un lotière. T'avais pas dit qu'il était mid, Lucario, en plus, tout à l'heure, regarde, enfoiré, va. Il dit du Megaman il galère contre les mid, bah franchement là il est tranquille hein, contre le Lucario hein. C'est same level. Il a jamais utilisé le tir. Hey,
Oula, ah ouais. Bam. Oh là, ça c'est la punition. Bah oui, c'est la punition. Trop ambitieux. Trop ambitieux ce smash bas. Je t'ai dit depuis le 1 que le villageois était garanti. Une fois que tu auras fusionné avec le perso, tu vas pouvoir casser du cul. Très bien. Ah ouais, d'ailleurs, il y a les tournois Micromania là qui se font. Alors, est-ce qu'il y a des mecs, des escrocs qui demain vont essayer d'aller voler? Pas le dire forcément. Bah, c'est vrai. Il t'a été Bowser, il est vraiment pas mal, mais il s'est quitté en haut. Pour les vidéos, vous avez vu qu'il prévient en cas de mise à jour qu'elles seront effacées. Faut les filmer. Ah ouais, faut les filmer, sinon ça va être effacé. Ça, c'est violent. Ouais, mais pour moi, un lotir, c'est un mec qui se fait défoncer par tout le monde. Là, Megaman, franchement, il y a de quoi s'en sortir. Mais j'ai l'impression, dans ce jeu-là aussi, comme c'est pas vraiment un vrai jeu de baston, j'ai l'impression que si tu te déplaces bien, tu chopes 2-3 fois, c'est bon, tu peux voler, hein, avec n'importe qui. Après, la tieriste, à mon avis, elle se fait surtout sur les... Est-ce que les persos reviennent bien ou pas? C'est plus ça. Ils ont mis 3 vies, du coup, à chaque fois, ils sont obligés de se suicider au début du match. Ce rituel. Hop, il retourne dans son coin, le Lucario. Est-ce que c'est parti ou pas? Sinon, Kirby en partie à 4 est garanti avec le lag spécial bas. Ah oui, j'avoue que comment ça que à 4 aussi le villageois il est garanti à 4. Pendant que les autres se tapent, toi tu construis ton petit arbre. Et dès qu'il y en a un qui joue le fou, bah, tu lui envoies sur la gueule, c'est garanti. Hein. Ou mieux, des fois, tu construis l'arbre derrière les mecs qui se tapent entre eux, tu leur lâches sur la gueule, ils te calculent même pas. Tu peux en tuer 2-3 d'un coup. Ouais. Oh là là, ce Meganam. Ils auraient mis Megaman 0 dedans, il aurait été intestable. C'est mis 0. Ouf. Avec l'épée là, il aurait été intestable. Oh, le Lucario, il galère. Oh, il lui a mis la bombe. Oh, il lui a redonné. Ouf, de chasser. C'est pareil, Lucario, j'ai pas l'impression qu'il y ait des combos de ouf. Hein. Je le vois, il met un hit et c'est tout, le gars. Il met un hit et c'est tout. J'ai jamais vu faire plus de 2 hits. Alors que la plupart des persos, j'ai l'impression que quand tu fais course et le coup, après ça launch un peu le mec, tu peux mettre un truc derrière, mais lui. Je sais pas. Lucario quoi. Oh oui! Et il a tué avec le smash en l'air. Le smash côté 1, il me semble. Que soi-disant, on pouvait pas tuer. Il est lotier! Bon, oui. Oh, ce whiff punish. Ah oui, le tourbillon. Oh là là. Oh là, c'est le god tier du jeu, Megaman, faut arrêter. Hey! Oh là, s'il est comme ça, le Megaman à Valentin Lormo, il va me tuer. Hein. Mais bon, c'est Valentin Lormo, il est sac à tous les jeux. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Bah, ce n'est pas trop trahir le personnage. L'individu, hein, sa carrière,
Si je crois qu'il a gagné une fois un Stunfest, non ou c'était Cannes, je sais plus. Et à First Strike, il était avec Nico et... Nico, non, Nico et CCL. Nico et CCL, il me semble, ils avaient gagné un... Ils avaient gagné un, comment ça, un Cannes ou un Stunfest en team. Piètre palmarès, hein, comparé au mien. Je pense qu'on peut le dire, hein, c'est pas, ce n'est pas se jeter des fleurs que. Enfin, on l'aime bien, il est gentil, quoi. Winner final. C'est quoi cette winner final? Ah voilà, il y a du, voilà, là il y a du vrai top tier là. Rosalina, la Harmony, elle est vraiment god tier, je pense. Harmonieux. On avance. Voilà, voilà Gekuga. Ah, c'est Gekuga en VO, lui. C'est quoi la question? Ah, il y a une question. Ce qu'on a failli à notre droit juridique. Ça parle d'Ebola. Salam, d'une Deathwalk. Mais parce que... Si j'en étais là, ok. Sinon Kirby, oui, d'accord. Ah bah, les secours de l'arrière ont toujours été des persos rapides. Ouais, ça reste dans le chemin, c'est les, la prio des coups et la possibilité de combo, ça c'est clair. Yanovdorf gère les persos rapides, je suis en galère avec mon amphi. D'accord. On peut jouer online avec une co-wifi. Oui, bah oui, on peut jouer online. C'était ça la question. Bien sûr, on peut jouer online. Ah. On peut jouer qu'avec le wifi. Hein. Tu peux pas brancher de RJ45 sur la 3DS. Hein. Putain, j'ai pas vu le début du match là. Je regardais le chat. Donc je mets en arrière. Tant pis pour ceux qui avaient regardé. Donc Harmony qui joue avec son petit, sa petite bestiole là, elle peut l'envoyer taper et lui il tape au loin et tout, c'est assez craqué. Je pense qu'elle est très très forte en 1 contre 1, mais elle doit être un peu moins forte quand c'est le bordel, enfin ça c'est une supposition, hein, mais parce que le mec peut moins setup ses petites embrouilles avec la, avec l'étoile. Ah oh, c'est craqué ça, l'étoile, quand l'étoile meurt... Hop, elle revient un moment, l'étoile. Alors, elle revient tout seul ou celle qui doit... Ouais, elle revient tout seul, d'accord. Très bien, elle revient tout seul, l'étoile. Go de TLU. Hey. Franchement, Greninja... je vois pas l'intérêt de jouer Lucario hein, quand il y a Greninja dans le jeu, en fait. Il a tout en mieux, j'ai l'impression, moi. C'est à la limite, tu peux jouer échec, ouais. C'est pas si... Comme disait Miles tout à l'heure, ça se rapproche un peu, mais... Je sais pas, c'est... Ah, c'est le téléport, voilà ce coup, là. En téléport, là, il est assez craqué. En fait, t'appuies, il y a une ombre qui se déplace au sol, et quand tu lâches, et ben, il apparaît, il te met un coup qui t'éjecte assez violent. Ça, c'est craqué, hein. Surtout qu'il peut choisir là où il apparaît, s'il apparaît tout de suite ou pas... C'est bien utilisé, c'est violent. Hein. Ah, elle est morte. Aïe, aïe, aïe. Oh, il va revenir là. Oh, le sac, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu revenir largement avant. Oh là, et ce gros ninja qui vit sa vie. Hein. Amphinobi. Vu qu'on parle pas. Il casse le margouilla rouge. Margouilla. Hey. Après, il se balade là, le ninja. Je rappelle que j'ai la peluche. Hein.
au cas où, hein. Ça OS aussi, hein. Oh là là, il est archi craqué, hein. C'est abusé, il est rapide, il fait mal. Il a des embrouilles. Il y a le shuriken là qui charge. On peut même pas le faire en plus dans le jeu. Il existe même pas ce coup là dans le jeu. Dans Pokémon, il n'y a pas de shuriken d'eau qui se charge. Le shuriken, ça s'appelle l'attaque dans Pokémon, elle s'appelle shuriken. Elle est de priorité, elle fait de 1 à 5 coups. Mais elle se charge pas. Oh là là, ce smash en l'air qui a l'air divin aussi. Ce ninja de l'eau. Hey! Ah, il va mourir là quand même. Ah, même pas, il meurt. Oh là là, ça voulait se friter en dessous. Ouais, comment elle atterrit loin? Allez, il est mort là. Voilà. Il va aller se faire manger par le chien Nintendox de derrière. Il va le croquer. Fatality. Animality. Ouais, il a 1000 mains. Ah ouais, il y a ça aussi. Il y a des persos qui ont des 1000 mains dans le jeu. Oui, bien joué. Oh là là, il est craqué. Téléporte, téléporte. Oh là là, le téléporte. Ah, t'es pas obligé de taper quand tu sors de la téléporte. Oh, c'est ultra craqué. Alors, je sais pas ce que ça fait quand l'étoile est rouge. L'étoile rouge de Belgrade. Je sais pas ce que ça fait quand l'étoile est rouge. Je sais pas si ça change un truc vraiment. Bim! Elle est morte. Allez! Reviens pas, on te dit! Propre. Il est très très fort, mais c'est assez difficile de jouer contre un perso rapide qui peut t'enlever de l'espace de zoning instanné par le Luma. Oh là, ça cause technique. Ce consultant Miles. Non, c'est Miles. Après, je suis sûr qu'avec le temps, les gros joueurs heureusement sauront pallier cette faiblesse. Oh, utilisation du jargon. Une analyse menée tambour battant. Sur les chapeaux de roue et tout ça. Hein. Pour une fois que je parle d'autre chose que Skullgirl. Faut arrêter avec Skullgirl. Hein. Je rappelle que je suis vice-champion d'Europe de Skullgirls. Hein. Et Oro est le champion d'Europe. Les couleurs de l'anima changent rien. Ok, bah, très bien, merci. C'est une information. Et c'est encore le stage Nintendogs. Grand, grand stage, hein. Énorme. Hein. Superbe. Monsieur, derrière, on voit un chien qui... Voilà. Ah, c'est la vie, les persos à épée. Les persos à épée, à mon avis, c'est bien pour débuter. Après, je sais pas si à haut niveau c'est tant craqué que ça, mais au début pour débuter c'est pas mal. Hein. T'as ton petit MB, souvent t'as un smash qui va bien. Souvent aussi ils ont toujours un petit contre, ça casse toujours les bonbons. Oui, je me taffe un perso à épée. Mais je voulais Shulk, mais j'ai rien compris Shulk à ses stances. Si quelqu'un a compris les stances de Shulk, j'ai pas compris en fait. Enfin, j'ai compris à quoi sert chacune des stances, mais j'ai pas compris quand c'est que t'as le droit d'avoir de passer de tel mode à tel mode. J'ai pas compris. Course shop, on te dit, la phase 1. Hop là. Oh, ça se permet toutes les folies. Il cherche le shuriken. Ouf. Oh là là, l'empêcher de revenir une fois, deux fois, trois fois. Ah, oh, il a réussi à revenir, le mec qui lâche pas le steak. Et voilà, il lui a mis un coup en l'air, garde chop. Ça c'est... Voilà, c'est comme ça. Tu mets un coup en l'air à un mec, s'il a gardé, c'est chop garanti. Ouais. Ça se... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, claqué contre l'écran. Ouais. Ah, il est mort là. Oh, le mec, il revient encore. Ça lâche rien. Ta ta ta.
Il est un peu moins fort. Bah, il y a le mec craqué à l'épée, c'est le Darren là. Parce qu'il a le meilleur des deux mondes, lui. Il est à épée et il a des pouvoirs magiques, alors je pense que c'est le meilleur épéiste du jeu, lui. C'est le dernier perso de Fire Emblem, là, le mec qui a un livre ouvert. Il a l'air assez violent, lui. Wow. Ouf, il y a un mind. Oh là là, il lui a mis un coup. Mais elle est pas morte. Ah là, il a mis un coup en l'air, chope garanti. Comme d'habitude. Oh là là, faut jamais taper. À moins qu'il faille taper en l'air, je pense, mais avec un coup qui tape loin. Et si t'as un coup qui tape loin du bout, tu auras peut-être hors de portée de la chope. Je pense qu'il faudrait trouver un truc comme ça. Pour Carotte, les mecs qui font garde chope tout le temps. Je vois que ça, je sais même pas si c'est possible en théorie. Enfin, en théorie, c'est possible, mais je sais pas si c'est possible dans la pratique. Oh, oui. Oh là, il est tellement bien parti, là, le gros ninja, c'est impossible qu'il perde. Oh là, il charge le shuriken devant sa gueule. T'es fait rien. Ouais, attention. Oh là 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 là. Elle va se manger une tête pas. Tellement cramé, ça. Oh, il a un dive aussi. Ah, mais voilà, mais c'est divin, les dives aussi dans le jeu. Comme je disais, pour revenir là, enfin, pour revenir, pas pour revenir forcément du côté, mais pour revenir quand t'es en l'air. Avoir un dive, c'est pas mal, hein. Parce que le mec, il peut pas te dégager comme ça, si time mal, bim. Et la victoire de la grenouille. À la surprise générale. Peach contre... Ouais, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a le chien! Ah, le chien, il a l'air craqué aussi. Le chien, il a l'air fort, hein. En tout cas, niveau zoning. Après, corps à corps, à mon avis, il est pas mal aussi. Il a des bons smashs, là, avec les cibles. Ouf. Attention, attention! Alors que là, il se fait totalement déchirer. Évidemment, il suffit de dire ça. Ouf. Allez, le chien! Ah, ça, la canette, là, c'est tellement l'horreur, ce coup. Ah ouais! Elle peut prendre les projectiles, elle aussi. J'avais oublié qu'elle avait ce pouvoir-là, Rosalina. Enfin, Rosalina, comment elle s'appelle? Harmonie. Ah, en VO, c'est Rosetta. Rosetta et Chico. Chico, il s'appelle le Luma, là. Chico de Barge. Ouf. Voilà, il est devenu bleu. Ah, très bonne tactique, ça, de le mettre bleu dans ce stage. On peut pas beaucoup le voir. Ouf. Ce back-kick. Back-kickonné. Oh là là. Le chien, il est stylé, hein, quand même. Il revient bien. Il a plein d'objets. Il a un mille mains. Il a tout du top tier, lui aussi, hein, le chien. Bah oui, c'est toujours top tier, Watermar, d'avoir un dive. D'avoir un dive kick. La meilleure dive kick de l'histoire étant celle de Shaw dans Breakers, à mon avis. Hein. Ouah. Oh là là, ça mind, hein. Oh là là, il l'a dégagé. Un coup de patte arrière. Ah ouais, la canette, là. Pour revenir, c'est tellement la mort. Ah, je fais déchirer par un Duck Hunt, là. Qui, voilà, il fait ça, c'est ça. Dès que t'es machin... Ah ouais, mais elle peut l'aspirer. Oh là là, mais du coup... Oh, purée, j'avoue, elle peut l'annuler. Mais sinon, c'est un enfer, ça, pour revenir quand le chien, il t'a mis... Il t'a mis au bout du stage et il t'empêche de revenir avec la canette. C'est une galère, Sama, pour revenir. Azehub.
Ta Rosalina, ça fait que des gardes shop. Hein. Garde shop. Oh oui, le smasho. Oh, tétao. Oh, elle est pas morte. Quoi? Oh, téléporte où? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, oh, mais elle peut faire combien de téléportes en l'air? Ra. Voilà, la canette. La canette. La canette, on te dit. Pff, oh là là. J'avoue, ce match-up, il a l'air pour Rosalina. Hein. On peut annuler les canettes. C'est la vie, hein. Celle de Grant. Ouais, mais Grant, encore, tu peux faire Just Defend. Alors que Shaw, rien. Tu peux rien faire. Oui. Oh, c'est la lutte, hein. Ta Rosalina veut pas mourir. Harmonie. Où sont tous les mecs qui jouaient Harmonie, là, sur Mario Kart Wii, qui se croyaient chaud? Pourquoi ils la jouent plus, maintenant, là? Il y a Dante qui joue Harmonie. Il a dit, ouais, je veux jouer Harmonie. Quand elle sort, bizarrement, ça commence à voir que c'est un peu compliqué. Tu jouais pas Harmonie, toi, sur Mario Kart? Jamais. Tu joues qui, Link? Ah, tu as joué Link. Toad. Ah ouais, t'es un ancien, toi, tu joues la coupe afro. Toad. Toad. C'est ça. Voilà, oh, la galère. Ça se tape à la mort. J'avoue, Funky Kong, c'était un daron. Funky Kong, c'était mon main en plus. Hein. Même si j'ai pas joué à celui-là sur Wii, il était un peu pourri quand même, celui-là sur Wii. Je trouvais les décors, je comprenais rien. Oh là là. Non, celui-là sur Wii, pas sur Wii U. Ah, ouais. Celui-là sur Wii, il était vraiment naze. Ouais, ouais, il était pourri. Heavy Cutoli de Rosalina, qui a un bon match-up, hein, on dirait, dans ce jeu, puisqu'elle peut annuler Las Canetas. Ah, Rosalina, non, mais attends, vas-y, là, il n'y a pas un autre perso, il n'y a pas du villageois, là, un peu? Donnez-moi du villageois, s'il vous plaît. La finale. Ah ouais, il y a Diddy Kong. Bon, Diddy Kong, il est toujours là, lui. Hein. Diddy Kong, lui aussi, c'est un top. Un top de toujours. Hein. Puisqu'on parle des Kong. Oui. Oui. Et t'arrives à faire l'infini d'harmonie ou pas? Ou c'est vraiment un truc mytho? Bah si t'as une vidéo villageoisante, moi je suis chaud. Hein. Ouf. Diddy Kong, il est bon aussi. Hein. Ça, c'est un perso que j'aime bien. Mais bon, après, je vais pas y en jouer une quinzaine non plus. Mais ça a l'air dur de gérer la banane, là. Moi, je sais pas gérer les objets. Parce que la banane, tu l'invoques, après l'autre il peut la ramasser aussi. Voilà, celle-là comme là, elle l'a ramassée, c'est le guac après. Bim. Oh, ça se relève en pif. Oh, Palutena, elle a l'air craquée elle aussi hein, quand même. Franchement. Pff. Elle a pas l'air d'avoir 20 000 phases, mais elle est tellement safe en fait dans tout ce qu'elle fait. C'est un perso super relou à jouer contre un Palutena. C'est la safitude même, la meuf. Elle fait jamais rien, elle attend. Voilà, un petit tic trop de temps en temps. Petite punition, et elle repart, et elle attend. Elle compte les boules, elle compte les objets, elle compte tout. Faut lui rentrer dans l'art, hein. Parce que voilà, une fois que t'as pris l'avantage, elle peut plus camper. Il faut qu'elle vienne attaquer et là c'est autre chose, hein, bizarrement. Mais si tu la laisses prendre l'avantage au début, la relou quoi. Oh, elle a pris la banane. Hey. Oh, elle a raté. Chop. Oh là là, c'est bonbon. Ah ça c'est sa phase ça, il te fait petit coup de canne et court chop. Hein. Hop là. Ah il a dégagé la banane. Pas de ça chez moi.
Ah ouais, elle a un coup de bouclier aussi quand elle fonce à la Sofitia. Hop, kick throw, la phase des anciens. Rechoppe, elle est tout en chope. Ah, remonte, voilà, merci. Oh, esquive, esquive. Bim. Allez, tape là, là. Oh là là. Ça casse ma chéti mal. Oh, purée. C'est un pif ce coup quand même. Oh, le Kaweto flingue. Qui passe pas. Oh, bien joué ce petit coup là en lâcher de bord. Bim. Ah, d'accord, c'est ça. Il varie en fait. Il fait tic et après court chop ou tic et un coup. Voilà, deux phases. Mais deux phases tellement safe. Bon, il allait lui refaire là encore. Hein. Ah! Chops. Pff, voilà, c'est relou, pas du Téna. TJPK, il y a un peu de villageoise dans ce truc. Ok, je vais aller voir. Infini d'harmonie, ça dépend de ton adversaire. Ok. Je veux le voir. Oh oui, dans la tube. Et victoire. Ah, mais c'est en 8 gagnants, là, les mecs. Non, ça, j'ai pas, c'est pas une villageoise. Il me semblait que j'avais pris une petite vidéo villageoisante. Non, non. C'est Lucario Palutena. Palutena, comme dit Oro. J'avais pas une vidéo. Ça, non. Ça, on a vu ça, ouais. Ça, c'était NES au début. C'était Yoshi Shek. Putain, il me semblait que j'avais pris une vidéo villageoisante. Le soi-disant l'autre tiers Megaman, qui n'a jamais perdu. Hop. Ça, c'est Peach. T'as les oeufs, la Peach. C'est vraiment du Peach. Ah ouais, c'est du pitch. Contre Greninja, à mon avis, elle va galérer. Ça, on a vu. Ça, c'est Yoshi. Le Yoshi noir. On l'a pas vu, celle-là. Toi, à mon avis, ça, c'est pour Yoshi aussi. Hein. Je vois pas comment elle peut embêter Yoshi. Wow. Ah ouais, d'ailleurs, à propos de ça, ce qui est stylé dans la version, là, c'est... Je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est les paris là, les paris online dans le live là du. Ah voilà, ce coup là il est craqué, le mille pieds là en l'air là, de Yoshi. Comment ça s'appelle sur 3DS sur le live, on peut dans le mode spectateur, on peut parier sur les matchs et gagner des goldus. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait les Goldus, mais on peut parier sur des matchs. Alors, on peut faire ça après, si vous voulez, aussi. La tier list, bah, pour l'instant, c'est des tier list mytho. Hein. Je pense que après Gizmo, puisque tu demandes, hein, Manawana Tupko, hein, bien évidemment, Gizmo, hein, la communauté malgache. comment ça? Oui, bah... Il y a des noms qui reviennent, genre Shek, Yoshi, Harmony même. Mais après, je pense que faut attendre un peu. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu des masses de tournois, mais il y a genre Palutena, Diddy Kong, des persos comme ça en finale. Et Megaman, le soi-disant Lotier, qui s'en sort plutôt pas mal. Samus sans armure aussi. Il y a aussi Wario hein, qui serait fort apparemment, et si pareil il a un glitch, mais je sais pas. Wario il a l'air fort. Ouais, moi j'ai essayé de Dadidou aussi, j'avais un petit Dadidou. Oh Dadidou. J'ai tenté de taffer un Dadidou, mais je sais pas, c'est pas très concluant. Hein. Mais bon, à 4 Dadidou, c'est garanti aussi. Hein. Bon, parlez-moi d'amour.
Ce sont des vrais, ça. Et bah, Daddy Doo, à 4, je disais, ouais, tu charges un marteau, le pendant que les mecs se tapent et se bra dans le dos, c'est tellement bon quand ça passe. Le Tomar ciselé. Qui cisèle bien d'ailleurs. La cheerlist ethnique. Les Goldus, c'est pour acheter les trophées dans le magasin. Plus t'en mets en mode classique, plus tu peux accéder au niveau élevé. Et eux, pour les mini-jeux avec les caisses à péter, la tâche est tournée. Ah bon ? Je sais pas. Bon, Megaman, apparemment, moi je trouve assez jouable. Hein. Yeah, ou... Quand ça se tape, hein. Évidemment, je dis que c'était pour Yoshi, donc ça va être Rosalina qui va gagner. Rosetta. Et Chico. Chico do Brasil. Oh là là. Oh, ce Yoshi qui fait whiffer et qui tape, mais oh là, ça a pas trop whiffé, là, le deuxième. Oh là là. Il peut revenir, le Yoshi. Oh, cette chope. Ouf, oh, l'attaque rodéo, à mon avis, ça sent la mort. Oh là là. Putain, tu peux punir que par chop hein, dans le jeu, hein, c'est Azéub. Oh, bim, dans la bouche. Fallait pas remonter ton gros nez là-dessus. Hey. Et victoire de Rizetta et Chico do Brasil. Bon, je crois à faire une petite pause publicidade. Et... je vais préparer un setup filmant ça à la caméra que les gens aiment bien. Donc à tout de suite. Voilà. Hey, c'est le retour. Alors setup filmation. Donc c'est en théorie dégueulasse. Donc je pense que ce sera dégueulasse. Ça va, tu trouves, quoi? Il y a eu pire. Non, c'est très dur pour moi de jouer dans ces conditions. Ouais, c'est ça. Bah, je vais pouvoir mettre des vidéos. Hey! C'est le Smash Bros de la 3DS. Alors, on peut voir un peu les stats, hein. Montrer un peu mes stats. C'est dans coffre, The. Statistiques des combattants. Alors on peut voir que je dose, j'ai pas menti, hein. Dose le villageois en main. Après, comme j'ai dit, j'ai tenté un Daddy Doo. Après, Mini Bowser, voilà, c'est ces trois-là. Hein. Et éventuellement un S, Lucario, Pete, ça c'est les persos en short. Link, c'est pas moi du tout, ça c'est quand. Quand on emprunte ma DS, je sais pas, tout le monde joue Link. Tu vois. Ouais, il y a toi, mais il y a aussi Lord Med. Il a joué Link aussi. C'est un perso d'arabe. Ouais, c'est un perso d'arabe, Link, hein, faut croire. Sinon, après... Ah ouais, j'ai tenté un peu Guake Schnapps, là. Game & Watch. Toon Link, Dark Pete, ouais, j'ai tenté un peu. Didi. Luigi aussi, j'ai tenté. Bon voilà, après ça a pété. Ça c'est quoi? C'est coup réussi. D'accord. Autodestruction. Et après on sombre dans l'autodestruction. Bah Ness il est bon mais... Il revient mal, donc il est pas bon. En théorie c'est le god tier du jeu mais... Il revient pas bien, donc il est zéro. Ça a pété. Match. 278 matchs. J'ai à mon actif. Victoire. 171. Ouais, ça fait un match sur 3, quoi. C'est pas ouf.
Défaite 67. Temps de jeu. 13 heures, on te dit. Avec le villageois. Oh, c'est distance des sauts smash finaux. Objet obtenu, bon bref. Moment clé. Affichez vos 10 heures d'expérience si vous la date. C'est quoi les moments clés? Ah ouais, d'accord, c'est les succès, quoi. S'en fout. Quelques vidéos guacquisantes. Ah, celle-là, elle est pas mal, ça. Petit match de vidéos. Il faudrait que j'éteigne la lumière, mais toi, ça va te baiser, tu vois. T'es au fond? Rajoute l'écran, tu auras un peu de lumière. Ça, on verra un peu mieux, je pense. Voilà. C'est moi le villageois, là. Oui, je sais qu'on voit mon nom, c'est pour ça que j'ai éteint la lumière. Hop là, voir cet excellent villageois. Contre un rond doudou qui avait mal parlé. Alors là, je sais pas où il est parti, mais il reviendra pas. T'es propre, cette phase. Et essayer de revenir, je vais lâcher un boulet sur la gueule, mon gars. Oui. Il y a aussi la lumière rouge, là, de la cam HD qui filme, qui laisse toujours une lumière rouge. Oh. Ah, il s'est endormi, là, j'essaie de le taper, mais... Ah, j'ai réussi à lui mettre qu'un coup. Dra. Je sais pas, c'est un rondoudou du live. Il s'appelle Hubert P quelque chose. Hey, il a voulu faire l'ancien, il prend rondoudou. Hop, des patates, mon gars. Voilà, là, ça, c'est le smash bas, 3 radis, il fait mal. Rondoudou. Rondoudou. Hey. Oh, c'est beau. Oh, cette remontée, tellement safe. Un arbre. Reste bien devant. Ah non, il connaît. Il est pas joué. Ah, il a acheté la briquette. Ça se cherche. Hein. Oh là, mec. Et il veut vraiment m'éjecter. Hein. Je suis à 146%, je reviens toujours. Hein. Ah oui. Ah, il se passe rien, c'est magnifique. On voit que c'est deux sacs qui jouent quand même. Ah, hein. Oh, comment ça galère à se tuer. Ah. Ah. Ah oui, le lance-pied ou... Ah, l'arbre. Je suis mort. Putain, 176%. Ah là, je suis mort. Lui est à 54%. Enfin, ça joue propre. Voilà. L'arbre, mais non, l'autre côté, l'arbre. Oh oui, le bon timing. Magnifique. C'est ça qui est bon, c'est quand l'arbre il pousse, il fait un hit. Bah, c'est en 2 vies sur le live. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. D'habitude, ça joue en 3 vies. Enfin, je croyais, mais au final, non, c'est 2 vies. Et ça gagne. On peut voir que c'est moi, hein. Monsieur Car raté, c'est moi. Hein. C'est pas une vidéo d'un mec mytho. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres matchs maléfiques? Ah, j'ai contre mon petit frère, mais il est nul. J'ai contre ABO, ça garde les matchs. Lucariole. Putain, j'avais tenté un Lucariole quand même. Oh là là. Ah, j'ai contre un Sonic. Sonic, il a l'air pas mal aussi. Hein. Franchement. Ah, il y a les matchs à 4 avec Gwak.fr Oro hein, dans l'histoire. Oh là là, il a l'air sale ce match.
Ouais, il a l'air bien sale celui-là. J'ai envoyé ça. Un match à 4. Tu files versus. Ah, d'accord, non. Faut un match à 4, hein. Alors là, c'est le bordel total. Hein. Alors moi, je suis le villageois, toujours. Link, c'est Sky. Peach, c'est Shenzo. Et la Samus sans armure, là, c'est... C'est Oro. Oro qui a une Samus sans armure, en short, en plus. Qui plus est. C'est tellement... Alors là, ma stratégie, c'est de me faire petit, moi. Et de pourrir les autres dans le dos. Tel le malgache. Aïe. Oh là là, il m'a dégagé. Putain. Off. Ça joue sa vie, hein. On comprend rien, c'est juste parfait. Ouah, elle a dégagé deux mecs là avec la Peach. Un Peach dans ta poche. Ouah, il est à 146% le Link, hein, il est toujours là. Faut le tuer. Ah voilà, merci. Ouf, cette Peach. Oh, j'ai attrapé le Raditz. Oh là là, c'est compliqué. Ah, ça revient. Aïe, aïe, aïe. Ça repart. Putain, on comprend rien, c'est magnifique. Oh oui! Je raille de mon dildo. Mais elle est chelou, la princesse, elle vole. C'est craqué, ça, quand même. Et ça gagne. Je suis à combien de vies? Ah, tout le monde est à 2 vies, là. Ah ouais, mais la princesse, elle est bien, elle est à 0%. Moi, je suis à 107, hein. Et Oro, il est à 140. Ah, mais je reviens motivé. Ah, oh, je reviens encore. Ça lâche rien. Ah, oh, c'est le bordel. Un jour, j'aurai une 3DS capture. Oh oui, bien joué, ça. J'ai tué qui, là? J'ai tué Oro, proprement. Hey. Oh là là. Oh là, je suis pas mort. Ah là, je suis mort. Putain, il me reste qu'une vie, ça sent pas la gagne. Tout le monde est à... Non, Oro aussi, il reste une vie. Et la Peach et le Link, il leur reste 2 vies. Ah! Oh oui, bien joué ce Smash. Oh, j'ai tué qui là? J'ai tué la princesse. Je comprends quelque chose? Je comprends rien. On comprend rien. Oh là là. Attention, attention, il est derrière toi. Dildo. Redildo. Bim. Hop là, j'attends quelqu'un. Ah voilà. Pour bosser un petit coup de hache dans l'arbre. Ouh, ça a voulu me choper. Oh là là. Qui c'est qui est mort? Ah, c'est Viken qui est mort, qui nous quitte le premier. Oro, je veux dire. Oh. Oh là là, le Link qui va gagner, à mon avis, il est trop motivé.
ça se voit. Un petit arbre dans le dos. Ah là, c'est pas bon d'être au milieu des deux. Hein. Hey! Ah, le mec. Ah, je crois que j'ai perdu ce match, si je me souviens bien. Ah! Le vent qui m'a poussé. Oh oui, bien timé cet arbre. Putain, il meurt jamais. Voilà. Voilà. Oh purée, il est jamais mort. Ouais, bon, la pitch est morte. C'est bon. Oh, c'est jouable, hein. Ah bah non. Ah si, je suis pas mort. En cas où Vin. Oh là, il va punir. Ah non, il punit pas. Oh là 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 là. Oh là là, vite, vol, vol, vol. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouf. Ah là 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 là. Oh, ce duel à mort. Ah, j'ai voulu choper. Voilà, c'est ça, je sais pas comment on fait. Oh, coup de parapluie. Pour quand on roule, on se tourne vers le mec pour le choper, mais... Oh oui, ça gagne, ça. Oh, ça gagne. Oh, cette victoire. C'est beau. Le villageois. Quel homme. On peut voir les stats. Oh, cette domination. Ça se trouve, j'aime bien, c'est que j'ai gagné un match sur 30. Mais comme j'enregistre quand je gagne, c'est moi le boss. Alors, bah, s'il y en a qui est chaud pour jouer, bah, je vais vous donner mon comment on appelle ça, mon code ennemi. Faut que j'allume la lumière. Merde, c'est où le code ennemi? 36. Oh, 36 95 00 80 79 33. Voilà, ça c'est mon code ami et c'est le code. Bim. Bah Pedro, vas-y, envoie ton code ami, hein. Si tu fais le fou. Bon, après, mon codage va être un peu bizarre, à mon avis. L'encodage va être un peu bizarre. Je home. Alors, Pedro... Pedro, ajouter ami via internet. 27 67 05 04 97 66. Ok. Tribing. Pedro Ninou. Pedro Ninou, tu es un homme mort. Je te le dis quand je passe. Oh, Yashin suit. Ah, le mec, il donne ça maintenant. Attends, bouge pas là. Et Toshin suit. Via internet. 17. 36. 08. 77 97 et 28. Hop.
Shinsui. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Le tour de la question. Allez hop, c'est la guerre. Erreur de communication. Non, c'est est-ce que le vieux joueur est nationaliste? Bah sûrement, mais après, excuse-moi, je t'en prie. Mais quel bled, je ne sais pas, je ne saurais dire. Je pense qu'il est... Merde, qu'est-ce que je fais? En ligne. Ça se connecte, toi. Ça se connecte, toi. Par contre, jouer là dans cette position un peu bizarre. Essayer de mettre un peu plus haut. Voilà, donc... selon l'énervement, la console peut bouger vite. Hein. Avec des amis. Alors, je crée la parodie. Hein. Oh, je crée la parodie. Alors, faut rejoindre. Allez, mettre... On va mettre autant, on va mettre ça à la vie. Vie. On va mettre 2, hein, puisque ça a l'air d'être 2. Ok. Restez zombie. Hein. Restez tranquille. Restez zombie, il dit. C'est Nono qui a dit. Nono, je l'emmerde. Nono, on t'emmerde. Ouais, on est 3. Oh, y a pas un quatrième connard dans le coin. J'avoue, 3, c'est un peu le chiffre du mal. Oh. Bon, ben on va faire du 3. Hein. Je vais mettre en rouge. Couleur du sang de mes adversaires. Bon, vas-y, je lance. On s'en bat les steaks. On s'en bat les skeustés. Alors, j'ai essayé de jouer sans trop bouger la DS, mais le guac étant ce qu'il est... Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu fasses un système avec tes lunettes, là. Avec mes lunettes? Avec tes lunettes. Tu prends ta webcam, tu l'attaches à ta lunette, et que tu bouges... Ah ouais, système off down. Ambiance caméra cachée. Cyril Linette. Ah, le bâtard, il a pris son pique-assiette. Bon, moi, je propose à Shinsui, à Pedro, c'est qu'on règle d'abord Shinsui, et après, on se voit. Bim! Hop là. Hop, un petit... Voilà, redescends bien dedans, enfoiré. T'as pris les deux hits. Oh oui. Ah. Empêche-le de revenir, là, au lieu de venir sur moi. Il est stupide enfant, va. Ah oui, il est venu dedans. Ah merde, elle renvoie les trucs, elle aussi, elle est relou. Enfi. Elle a combien de pourcents? Je vois même pas les pourcents. Ah, laissez-moi là.
Putain, elle est relou. Faut la tuer, la Palutena, là. Bam! Ils reviennent pas! Tu n'es pas le bienvenu, on te le dit. Ah, j'avoue, vous voyez rien du tout à ce qui se passe. Putain, je ressorte la caméra et je me fais des hecs. Eh ben, elle est belle, la France. On croit connaître les gens. Ouah. Ah merde, j'allais clamser. Ouf. Purée. Ah, mais j'ai pas voulu faire ça. T'as la relou. N'est pas m'embrouiller. Ah, oh, la chienne, elle m'a tué. Oh, c'est la guerre. La guerre de sécession. Quel sac sont Finobi. Oh là là. Ah! Ah, la mort de sac. Oh, la mort de Sai. Putain. Je savais pas qu'elle avait un téléport, elle. Putain, je suis mort comme un sac tout seul. Oh là là. Bon, faut se mettre sur la Palutena, hein, je pense. Hein. Perso Gauthier, ça. Bon, Pedro, viens, on le baise, la Palutena. Et après, on réfléchit. L'autofocus devient fou. C'est possible. Donc, si vous avez rien vu du match, c'est normal. Je sais pas comment désactiver l'autofocus en fait. On voit où est passé le foyer quoi. Ouais, Palutena, c'est un perso d'enfoiré. Bon, on va se mettre à deux sur toi, Pedro, alors que t'as Palutena de chias. Palutena. Perso de la camp comme ça là. Le mec sait faire que téléporte arrière, il croit il sait jouer. Fils de lâche va. Tiens, Poufias. Tiens, Poufias. Ah là là, l'enfoiré. T'es le mec, le roi du Bagdash. Mais m'attaque pas, Kirby. Voilà, bien fait, crève, chien. On va le régler ce fils de lâche. T'as prendre moi Palutena. Palutena. Allez, re-whiff encore le coup, hein. Il y a la balle smash. Qu'est-ce que je fais là? Qui a mis la balle smash? Mais qui a mis la balle smash? D'où il y a eu la balle smash? J'ai mis sans les objets.
Putain, c'est quoi cette histoire? Oh là là. Mais qui traverse l'écran en backdash. Tiens, bâtard, va. Mais attends, Kirby, le mec, il me tape. Putain, il est relou, Kirby. A rien compris à la stratégie. Oh, ça lag. Mais non, on monte pas sur le truc. Voilà, t'as baisé, t'as pas lu Téna là. Ça ne sert à rien. Ah, ça a mis des insultes, hein. Voilà. Bien sûr, c'est le lag. Bien sûr que c'est le lag. Mais d'où il y a la balle smash? Oh, ça lag à la mort. Hein. Purée. Ah! Oh là là, jusqu'à il y avait moins de lag, putain. Mais je comprends pourquoi il y a eu la balle smash là, j'avais mis zéro d'objet. Genre, j'ai rien compris à cette histoire de balle smash qui vient foutre la merde. C'est un bon match de merde. Il nous manque un pecno pour être 4 boys, je sais pas s'il y a un mec qui a une 3DS. Et qui se croit chaud. Peut-être pas l'Utena Bagdash. Ha ha ha.
Ah, le vieux mec, il a sauvegardé la vidéo. Ah, il a un mille mains lui en plus. Ah mais il est vraiment craqué. On sait pas mais oh le lag international. Ah, il est craqué ce smash aussi avec les ailes là. Dégage toi avec ton vieux Infinobi là. Putain, comment tu veux que je time un putain de. Oh là là. Putain de lance-pierre avec un lag pareil. Je reviens, oh là là, j'ai pas pu revenir. Purée, c'est injouable. Hein. Arrête-toi. Putain, je peux même pas timer mon. Un coup en l'air. Mais il est con lui, au lieu de me laisser tuer la palutena. Putain, qu'est-ce qu'il est con le Amphinobi. Regarde, elle est pas morte, bouffon. Putain, on se tue, hein, on a qu'une vie. Lui, il en a deux, la palutena. Eh, mais qu'est-ce qu'il est couillon, le gars. Putain. Il a tout, Greninja, il a le dive, il a le mille mains, il a le shuriken. Voilà. Voilà, au moins il est mort l'autre pouffon. Pour la régler la palutena de mes fesses en maillot de bain là. Je viens de taper maintenant qu'on est en bonhomme là. T'as prendre la vie moi un petit peu. Oh là là putain la distance du truc. Ah la chienne. Ah putain la chatte. Je crois que je vais le virer l'Amphinobi. Je vais régler la palutena. Un couillon Shinsuite.
t'es un couillon fini. Le mec, la meuf, elle a 8 vies d'avance et il vient de taper moi. Quel couillon. Ça veut jouer au plus con. On va jouer au plus con. Ah merde, j'ai mis les stash snaps. Trop facile parce qu'on joue avec un couillon. Putain, j'ai pris les stash snaps, ça va être pourri. Vas-y, Zoué, viens là qu'on le règle, l'autre bouffon. Voilà, je vais faire moi et Zoué. Contre Pedro là avec sa palutena Bagdash et l'autre couillon là avec son Greninja. Allez, ça sert à rien de jouer là-dessus. Vas-y. Palutena Malgache. Sa palutena Bagdash. C'est pire que Malgache. C'est Bagdash. Et il fait que des Bagdash, Bagdash, Bagdash. Renvoi de boule, Bagdash, Bagdash. Attends. Hop. Shinsu, quel âne batté ce gars. Mais un âne batté fini. Ne mérite que la mort. Le supplice du pal. Voilà ce qu'il te faudrait. Merde. C'est où? C'est là-dedans. J'ai l'utilisation du stylet, hein, est à noter. Alors, ajouter ami via Interneto. Alors, 05 76 38. Non, pas 38. 34 82. 42-24. Ok. Alors, c'est Zoé. Oh, il y a 3 O. Bon, il y en aura que 2. Ok. Attends, merde, faut que je donne le mien. C'est où, déjà? 36-95. 0-0-80. 79-33. Tiens, rajoute-moi oreilles. Oreilles. Mais le 1v1, je vais gagner, espèce de sac. C'est cramé. Miles qui mange le crâne. Mes oreilles. Zoan, je sais pas s'il m'a ajouté. Tu peux m'envoyer le code? Bah, je viens de l'envoyer. Putain, le bug. Il est un peu plus haut. Tiens, Zoey. Voilà. C'est bon. Il est où, Zoé?
Tu n'as même pas Zoé. Oh, il y a 7K. Sandy? Sandy, c'est Zoé? On est menti. 42, 24, d'accord. 110 s'appellerait Zoé. D'accord, très bien. C'est une chimale. Ça casse mâché, chimale. Hop. On est reparti. Restez zombies. Voilà, rejoignez. Il est content d'avoir de m'avoir battu. Comme si j'étais j'étais l'Okage du jeu. Pourquoi il est parti le 110? Ah, le bug. Ouais, 110, il est parti. Je pense qu'il est arrivé. Rupture d'anévrisme, sûrement. Paix à son âme. Il nous a quittés. Il est où Sandy? Je reviens. Bah reviens mec. Oh là là, le mec est devenu fou. Oh, le mec, sa mère l'a appelé pour faire la vaisselle. Imbloquable. Ça, c'est l'imbloquable. L'imbloquable. Bah. Les jeunes d'aujourd'hui. Pedro, Miguel, Pauleta. C'est bon, il revient. Mais là, il n'y a aucune règle. Je sais pas c'est quoi le bot, là. Le bot, il veut rien dire. Putain, il est revenu deux frames, il est déjà reparti.
Ah mais je comprends pas. Oh là là. Ah, le mec il joue sur la DS à l'ancienne, je crois. La FAT. Bon, on est bon ou pas? Allez, on va déjà jouer comme ça. Avant que l'autre il se déconnecte. J'aurais peut-être dû choisir le décor, un décor un peu plus lisible pour la population. Oh, ce lag intersidéral. Oh là là. Quand il a commencé déjà à faire des backdash. Oh là là, ce lag! Pff, c'est pire que jouer dans un bocal de semoule. Hein. Sans rire, backdash. Sandy, il est déjà mort. J'ai l'impression qu'il sert à rien du tout dans sa vie, Sandy. Hein. Pff, oh là là! L'image s'arrête. Mais laissez-moi baiser Pedro là! Putain, l'autre qui a rien compris. Voilà, FDP.
Mais non, putain, pourquoi j'ai voulu rouler? Il y avait juste à garder. Tiens! Merde, non. Voilà! Bien, wesh, ça c'est le teamwork. Allez, la caméra est tombée, mais si je ramasse la caméra, il va me baiser. Voilà, là je la ramasse. Enfoiré, va. J'ai gagné. Et voilà. Ça gagne. Pour voir les scores. Voilà, Palutena, on t'a bien eu. Ça sauvegarde la vidéo et vous m'oubliez à l'UEM. Voilà, moi ouais, je pense que ceci va conclure ce stream. J'ai gagné le match qui comptait. Et ça, c'est beau. Et ça, j'achète. J'ai enregistré, oui, j'ai enregistré. Oh, je la re-sauvegarde, on sait jamais. La vidéo a été sauvegardée, vous pouvez la trouver dans le coffre. Très bien. Bon, il a gagné, on peut partir. Bien évidemment. C'est fini. Salut la compagnie créole. Et vous savez quoi, en bonus, on va même re-regarder le match. Et ça, c'est pour analyser un petit peu, hein, comment je vous ai daronisé. Alors, le petit coffre 98, vidéo, hein, pas plus tard que tout de suite. Voilà, on peut voir les quatre protagonistes, moi, le villageois. Shinsui, je sais pas pourquoi elle a voulu piffer une villageoise. Palutena et sa Pedro de merde. Ou plutôt Pedro et sa Palutena de merde. Et Sandy qui a rien servi, qui a juste servi à nous saouler, à pas venir tout de suite. Hop! Petite regardance du match. Vous voulez voir la vidéo? Bien entendu. Bien. Je vous propose une analyse. J'ai envie de dire, on refait le match. Et voilà, ça c'est beau. Hey. Voilà, on peut. Alors, j'essaie de voir comment Sandy et sa Samus sans armure là va mourir. Parce que j'ai pas vu quand il est mort la première fois. Hop. Ah d'accord, il s'est jeté tout simplement. Très bien. Très bien, il s'est tout simplement jeté dans le vide, hein, du sixième étage. Il s'est défenestré. Forcément, on pouvait pas survivre à ça. Nature, très bien. Ok, là on peut voir que la Palutena est toujours dans les coins. Hein. Voilà, là elle va aller à l'autre coin, bien entendu, pour camper. Voilà, une fois que tu es près d'elle, elle fait son smash. Sauf que là, je l'ai dégagé avant qu'elle se mâche. Donc, elle repart dans l'autre coin. Voilà.
elle refait des smash sitôt corps à corps, sinon elle fait des tirs. Un game plan très basique et qui pensait que ça allait suffire. Voilà, ça renvoie les boules, ça renvoie les trucs. Un petit smash en l'air. Hop, il y a un peu trop de monde. Je me rebarre de l'autre côté et je recommence. Sauf que moi, j'avais décidé de la poursuivre en diffamation. Et voilà, là, elle est morte. Déjà, une vie. Petite danse. Ah, on voit pas quand ça écrit les messages dans les replays. Ah, c'est dommage. Hop. Il repart camper dans le coin. Là, pour tout l'instant, tout le monde a une vie, sauf moi qui en a deux. Hein. Hop. Elle essaye de me tuer, la Palutena, là. Hey. C'est beau. Sandy, qui sert à rien, lutte. Lutte pour sa survie. Ouf, voilà, backdash, backdash, hein, le classico. Hop. Alors là, j'essaye de la tuer, mais la Sandy, avec sa muse, me casse les bonbons, alors que je sens que là, je peux tuer la Palutena. Mais il me casse les bonbons. Alors, je suis obligé de tuer le Sandy pour essayer pour faire de l'espace. Et là, voilà, j'ai vu qu'elle a chargé son smash, j'ai voulu rouler. Sauf que dans le début de la roulade, bah, tu peux manger le smash, alors... Voilà, très bien. Hop. Et là, je veux la pourchâcher. Et là, superbe combo du teamwork. Dildo, dildo, plus smash bas. Et ça tue la Palutena. Magnifique. Pourquoi on me réflexionne que moi? Parce que c'est toi qui crois savoir jouer. Nous, on joue en sac et t'as voulu faire le mec qui sait jouer alors que tu fais de la merde. C'est ça! Bon, après, je réglemente, bien sûr, la villageoise de ce Shinsui. Ah là là. Petit fait une shop, je sais pas pourquoi. Pour faire l'ancien. Bon, là, il est à combien de pourcents? On peut voir les pourcentages. 105, 128. Voilà, moins 28, plutôt. On peut voir que je suis assez confortablement installé. Ah oui, et le boulet qui finit le taf. Propre, proprement. Et le victoire du villageois, le vrai daron. Merci, merci patron. Je peux rallumer. Et voilà. On appelle ça... J'ai gagné. J'ai gagné. Je suis un testo. Voilà. Je pense qu'on peut le dire. Je vous ai daronisé. Et bah, Pedro, tu repasseras. Merci. Sinon, à bientôt. Et à bientôt, voilà. C'est ça que je voulais dire. À bientôt. Et bien ce petit plan. Hop là. Hey. Voilà, instant caméra. Oh. Ah, je suis bien content. Ce versus de villageois est dégueulasse. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais bon, le boss, c'est Bibi. Merci pour l'invitation, j'en passerai. Pas de souci. Je vais essayer de voir avec l'ami Timothée s'il pourra me prêter sa 3DS ou peut-être streamer avec moi. Hein, Timothée, que vous pouvez retrouver sur Gaming Room d'ailleurs. Et ben, je vais voir s'il peut me passer comment ça sa 3DS ou stream avec moi. Je disais oui, pour qu'on ait une meilleure qualité, parce que là vous pouvez voir que la qualité était bof quand même, hein. Et oui, on est en constante évolution, recherche de qualité. Bah, des bisous, hein, le salam les amis, hein. Et je ne sais pas, à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures. Et bah voilà, c'est tout. Je vais aller regarder le replay de Koh-Lanta. Bisous.